Et Gloops, hola, qué tal, cómo está dans la casa? Non, tu te tais le jeu. Évaluer plus tard. On prend la manetas con patatas. Et aïe, je me cognasse. Bonsoir, Nounours, cómo está? Campagne. Voilà, donc là on avait fini le pseudo premier continent. On arrive donc à Nothing Valley. C'est parti. Ça va. C'est ainsi que nos héros, en quête d'aventure et de richesse, partirent vers d'autres contrées à la recherche de donjons plus grands et plus dangereux encore, exactement comme le prévoyait cette mystérieuse entreprise. Ouch, qu'est-ce donc que cet eudorisme infectueux? Ça change des cryptes renfermées de nos contrées, pas vrai? Mais quelle est donc cette région? Maintenant qu'on est arrivé, tu te poses enfin la question. Il s'agit des montagnes des gobelins. C'est ça l'odeur, des gobelins! Ces adorables petites créatures sont des monstres de choix pour les maîtres des donjons du monde entier. Pas cher, facile d'entretien, et ils donnent un certain cachet à la forteresse. Cette montagne est une sorte d'élevage de camp d'entraînement pour les gobelins revendus dans le monde entier. Donc nous sommes chez les gobelins. Parfait. Écoute, ça va. Je me suis motivée à sortir de mon lit. C'était pas gagné. Mais j'ai vaincu. Merci, merci. Et toi, comment on va? Ça a été ton rendez-vous? T'as pu te lever et y aller à peu près les yeux en face des trous? Ouais, dur, mais ça passe, c'est en cadeau. J'en ai trois autres pour demain et lundi. Génial! Ah, cool! Good luck, my friend. Au matin aussi, tous à 8h. Demain 9h, les autres en après-midi. Bon. Chaud pour demain, mais bon, pour les autres, ça devrait aller. Pourquoi ils attaquent ma vampire là? Aucun objet. Saloperie, super. Zeber. La meilleure défense, c'est l'attaque, sauf quand tu tombes sur plus fort que toi. Très bien. Ok. Alors, on va remettre ça. Je pense que c'est à partir de là qu'on va choper... qu'on va choper les compos pour faire le nouveau stuff.
Ah merde, putain, je suis allé trop vite. Chez eux. Ah cool. Faut inspecter tout le donjon, ils ont dit. Je suppose qu'il va y avoir un gros pack de mobs à un moment, non? Cet avertissement n'a absolument pas lieu d'être. Je ne sais point. Mais aucun objet, arrêtez d'être radin là, seriously, it's not possible. Ninja gobelin, lol, mais qu'est-ce que vous fichez là? C'est un camp d'entraînement ici, pas un donjon. Nous sommes là pour mettre un terme à vos machiavéliques agissements et prendre vos richesses. Mais c'est pas du tout prouvé dans le protocole, ça. Je vais faire un rapport à la direction, vous savez. Alors, le ninja, est-ce qu'il prend? Allez, ta gueule, le ninja. C'est ça ce que j'aime bien dans ce jeu. C'est les répliquages complètement nani. Putain, mais pas d'objets et c'est pas comme ça que je vais me crafter du stuff. Pas maintenant, il faut que j'aille voir en bas. Il m'en casse un groupe de mobs. Ou un truc. Ah non, c'est les événements que j'avais pas inspectés. Autant pour moi. Voilà. Et je serais bien tentée de retourner en vrai sur sur les donjons de la région d'avant pour les faire à 100%. Alors, merde, popo de mana, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Potion d'oubli. Ok. Putain, mais qu'est-ce qu'il lui faudrait? Ah, l'épée en cuivre. Bah, c'est pas ça qu'il y a. Ah non, c'est la dague. Merde. Ouais, il est bien écrit. Ouais, je trouve chaussi. Bâton gobelin. Non, j'embobille à ça. Les autres en ont pas besoin. L'armure, par contre, oui. On dit oui, oui, oui. Le casque, on dit oui, oui, oui. Les petons, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Si on peut faire ça, on fait ça. Et c'est tu. Alors lui, on va lui mettre de la def en plus. Merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, je change la tête. Et on va revendre direct pour pas se retrouver avec un milliard de stuff en trop. Par contre, du coup,
complètement aller faire le 100%. Voilà, aucune capacité, tous les monstres tués, tous les événements inspectés. Donc il faut juste tout faire. On va les faire vite fait. Parfait. C'est un plaisir. Coucou info. Ah bah oui, se prendre un petit poison dans la gueule, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. Bon bah écoutez. Si c'est partagé, je ne peux que m'en réjouir. Comment ça va? Ça, par contre, c'est fou, je les OS toujours pas, quoi. Ça soignera mes pustules. À 10 d'XP, bon, ça va pex vite fait. Non, pas maintenant. Aucune capacité. Et bah, on déclenche le piège du coup. Dommage pour un jeu plutôt beau d'avoir des animations en 3 FPS. Bim, j'arrive critique. Bon, arrête, il est bien. Vas-y, critique pas mon jeu comme ça, c'est pas sympa. Le mec, hallucine. Allez, bim. On est content. Après. Ah putain, on peut se refaire les shops à chaque fois. C'est bon ça. Ah bah l'épée. Parfait. Allez. C'est qui voulait l'épée? C'est Bibi. Allez, bouffe-toi ça. Bim. Voilà. Écoute-moi, ça va bien. Ça va plutôt bien. On peut faire ça. Oh non, il y avait un autre truc. Reviens. Ça, c'est quoi? Oui, j'en veux. Ah! Putain, elle a pas up la conne. Hein. Ah bah non, ça bouge pas. Bon bah ça va. Tout va bien. Tu es toujours en 33, mais il faut venir plus souvent, mon ami. Oui, oui. Allez, là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? 3 potions maximum, aucune capacité, aucun chaos. Allez, challenge accepted. Aucune capacité? Ah, très bien. Bah, t'as qu'à pas streamer en même temps que moi, traîtresse. Ah bah voilà, bah, je ne sais pas. Donnez-moi votre emploi du temps, mon cher. Je ne streamerai plus en même temps que vous. Et ce coup-ci. Ha ha ha!
J'irai dire à tes presque 800 abos que tout est de ma faute. Oh, allez. Ils te pardonneront, va. Ils viennent que pour mon chat, de toute façon. Donc, au pire, je te le prête et puis, ça passe. T'es allergique au chat? Ah. Ah, ça va être compliqué, ça, alors. Oh, oh, oh. Alors, j'ai entendu qu'on pouvait fabriquer une excellente dague à l'aide de dents de vampire. Ah bah oui, mais non. On s'en fiche, je te fous, c'est bon, on l'a la vampire. On l'a la bougresse. Ah merde. Ça l'a pas fini. Nani. Ouais, il n'y a pas assez de poils sur ces émotes. C'est pas très représentatif tout ça. Je suis d'accord. Bon, c'est ce pack-là qui est relou. Non, non, il est trop tôt pour le tout ça poil, les gars. À cette heure-ci, non, non, non. Nein, je ne suis pas ta cour. Putain, c'est quoi, c'est un smiley pirate? Ben voilà, on a tout. Allez. Excellent. On va prendre ça. On va prendre ça. Je peux pas faire ma poupou. Nope. Nope, nope, nope. Alors, 3 capacités maximum, aucune potion, aucun piège déclenché. Très bien.
Non, 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 mais c'est bien que je ne perde pas beaucoup, parce que la dernière fois, on n'a fait que ça, perdre. Quand j'avais que trois persos, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant que j'ai débloqué Vampirella, c'est beaucoup plus simple. Le karma s'est inversé, c'est ça. La roue tourne. Putain, trois capacités maximum. Où qu'elle va être la sortie? La roue tourne, va tourner. Allez. Merde. Elle a mal, ma copine. Faudrait arrêter de la cogner. S'il vous plaît. Tout va bien. J'ai toujours trouvé ça improbable que les barres d'attaque. Mais il a qu'une attaque, hein. Après, c'est du buff. Oh putain de merde. J'ai pas de bol là. Je n'ai point de bol. C'est ça, bim! Une note de musique dans l'œil. Ça fait mal, hein. Mais c'est parce qu'il joue tellement faux que. Que du coup ça fait bao bao, il va raise. Limite qu'il heal, ça peut sembler plausible, mais attaquer, bah il fait du buff armure, il silence, il a cette petite attaque ou nette. C'est vraiment une attaque ou nette quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sensibles à la magie. Enfin, à sa magie. Je sais pas, c'est peut-être le seul squelette du jeu qui a des oreilles et du coup ça lui fait mal. Je ne sais pas. Et que Thalès qui. Pendant un moment, travailler sur des bombes dont le son broyait les os des gens. Très bien. Où est le coffre? Ah bah parfait. Voilà, on a tous les trois étoiles. On n'a même pas déverrouillé un succès. Vraiment. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Bah bien sûr que je suis une pilleuse, c'est le but du jeu, Jean-Bobby. C'est de piller. Oh, ce serait fun si on récupérait un gobelin. Aucune potion, aucune capacité, aucun KO. Trésor droit devant, continuer dans la même direction. Ok.
J'ai du coffre, mais personne m'appelle Trésor. Oh la vache! Non! OMG. J'aurais peut-être dû commencer par celui du milieu. Ouais, non, elle est pas mal ta petite blague. Je l'admets. La blagounette passe bien. Il fait hyper mal, lui. Putain, je sais pas. Il a un tour de charge. On va peut-être pas le laisser en vie, en fait. J'ai pas trop envie de voir s'il me fume la couenne ou pas. Bim! Ça marche forcément sur les gobelins. Ils ont des grandes oreilles. Bisous info. Passe une bonne journée. On ne vous a jamais dit de ne pas faire confiance au panneau inconnu. Ah, très bien. Je me suis fait eu par un panal. Ok. À plus tard. Le bisu. Coucou Net, comment va? Putain, c'est pas le bol. Ça va nickel, merci. C'est la Nickelance. Je tue des gobelins. Et bim. C'est quoi? Ouais, j'aime bien. Je l'avais découvert il y a plusieurs mois là sur... mes petites découvertes de jeux indé, je l'avais trouvé cool, je m'étais dit, allez, il faut absolument que je le fasse un jour. Et ben, on doit être un jour. Voilà. Ah putain, je peux pas... Ah si. Mais ouais, ouais, les dialogues sont marrants. Enfin, tous les persos, ils ont une personnalité bien différente. Enfin, c'est cool. Ça m'a bien plu. Là, j'attends de voir. Il me manque... Enfin, visiblement, il y a d'autres persos à débloquer. Mais là, j'aimerais bien avoir le cinquième. Je sais pas du tout ce qu'on va choper après. Je me demande si on va pas avoir un petit gobelin. Ce serait marrant d'avoir un gob. Ah, bâtard. Déclencher piège. Ah, il n'y en a qu'un qui a pris. Ça va. J'ai pas fait gaffe. Il n'y avait pas de popo. Il n'y avait pas de popo. Ah, des nœuds.
Je crois que c'est la totale, pas de popo, pas de chaos. Ouais, c'est ça. Cool. Ça passe. Putain, faut pas qu'il y en ait 50 comme ça par contre, parce que j'ai plus de mana, je peux plus me protect. Oh bah. Parfait. Que demande le peuple? La popo de mana. Je veux bien ça. Alors, qu'est-ce que... Oh! Ok, on peut faire des trucs. Ça. Le peuple demande plus de raclette, plus de temps pour jouer. Non mais attends, tu sais que je vais pas manger de raclette ce week-end là? Tu sais que ma vie est nulle? Je les aime d'amour hein, mes copains, mais là je les déteste profondément. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au final, ça fait bien 2 semaines qu'on a déterminé quel jour on allait bouffer enfin cette raclette. Sauf que la personne en charge des réservations s'est décidée à réserver hier. Et que bah hier, il s'est pris un petit « mais monsieur, il n'y a plus de place ». Voilà. Donc le gros GG, n'est-ce pas? Il aurait été en face de moi, je l'aurais tapé. Je l'aurais cogné. Voilà. On va vendre tout ça. Parce que je pense que ça, elle est celle de cheval. Du coup, je suis complètement dans la dégoûtitude. Donc je ne sais pas où on va aller manger ce week-end. Mais je sais déjà que ça va me faire vachement moins plaisir. Moi qui rêve... de fromage fondu et de patates depuis des semaines, me disant « vas-y, c'est pas grave, suis ton régime, bouffe ta salade, ça va aller, c'est bientôt la raclette ». Et bah cette année, je crois que la raclette, je vais l'avoir dans le cucu. Je suis dégoûtée. Pourquoi il est tout seul là, lui? Bon bah écoute, on ne sait pas, mais on va y aller. Oh, je pense pas, Nours. Alors, donjon dévoilé à 100%, tous les événements inspectés, 3 capacités maximum. Ok. Mais j'avoue que, ouais, quand il a appelé hier, j'étais un peu vénère. Ah ouais, mais non, manger de la raclette sans prendre un kilo, là, si tu veux, on avait... Enfin, on a à Paris notre resto de raclette où les mecs, ils te servent la demi-tome de fromage avec une assiette de charcuterie. Tu prends 20 kilos juste à avoir l'assiette. Bon, t'y laisses un RSA, hein, mais... mais c'est bon. Putain, j'en rêvais. Ils ont brisé mes rêves. Du coup, je sais pas du tout. Ils ont voulu se rattraper sur un resto de fromage, sauf qu'en vrai, bah, j'aime pas le fromage. C'est le chalet savoyard qui est rue de Charonne à Paris. Ça fait des années qu'on mange là-bas une fois par an et c'est très très bon.
C'est très 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 bon. Par contre, bah, faut réserver en avance. Voilà, pas s'y prendre au dernier moment. Parce que bah, c'est bon, du coup, il y a du monde qui y va. Ouais, c'est ouvert le midi. Mais il faut réserver. Ah ouais, non, mais oui, il faut prendre des kilos si on veut les perdre après. Mais là, ça va, si j'ai de quoi faire. Le kilo en trop est déjà présent. Ouais, non, non, c'est pas. Faut pas réserver. Enfin. Ça dépend quand tu veux y aller, en fait. Si c'est pour en semaine, je pense que ça va au niveau des réserves. Par contre, là, tu vois, on voulait y aller samedi midi. Il a appelé hier, il y avait déjà plus de place, quoi. Mais oui. Les rondeurs sont magnifiques. Sinon, vas-y, en courant, tu perdras des kilos. Ah ouais, mais enfin, le temps que j'arrive là-bas, je vais arriver au bout de ma vie. Moi, tu me fais courir juste, juste au kebab en face de ma rue. Je suis déjà mourue, quoi. Moi, je cours pas. La courance n'est pas bonne pour moi. Attention, piège à gauche. Oh non! On me l'avait pas dit. Marche nordique avec les bâtons. Alors on se moque pas de la marche nordique. Ma maman en a fait pendant longtemps. Et tu as le swag absolu à rouler du cul avec tes petits bâtons. C'est comme... merde, comment ça s'appelle? La marche rapide là. C'est pas encore le même délire. Je crois que c'est dans Malcolm qu'il y a un épisode où le père de Malcolm il se tape sa session de marche rapide là. Mais c'est pas si mal. Maintenant qu'on en parle, c'est pas si mal la marche nordique. On te confirme que oui, c'est dans Malcolm. Ouais, c'est ça, où il est avec son collant moule-bite au possible et son petit casque là. J'adore. Ça, par contre, effectivement, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui pratiquent cette discipline, mais putain, là, t'as l'air con vraiment avec ça. C'est horrible. Non! Putain, je hais ma vie. Cette personne s'est trompée de touche! Quand j'en vois, je me demande quand les chevilles vont casser. Ouais. Ouais, c'est très. Mais je crois que c'est en discipline olympique ce truc en plus, hein. Pourquoi pas après, hein? Cinquante kilomètres et 20 km, il me semble. Ah oui. C'est spécial, mais après, enfin bon, t'as une allure spéciale, quoi. Après,
Après, je ne critique pas. Ces gens ont le mérite de faire du sport. C'est déjà pas mal. T'es trop tenté de courir, bah tu m'étonnes. Je sais pas, c'est la dégaine que ça te donne. T'en as déjà fait? Se cache. Non, mais après, encore une fois, c'est pas, il n'y a pas de honte, mais c'est vrai que ça donne quand même une dégaine assez, assez particulière, quoi. C'est. Voilà, c'est particulier. Entrée, Ranger, Nani. Oh putain, ça doit être encore plus chelou. Oh, des jolies bottes. Allez, surprise, motherfucker. Oh putain, on le connaît pas lui. T'es qui toi? Ah bah l'autre non plus on le connaît pas. T'es qui toi? C'est là que tu vois que l'être humain est capable de créer de la lumière. Capable de faire ça aussi avec des ampoules au pied. Oh my gosh. Non mais pourquoi on... Ouais, putain, j'avoue t'as dû tu dois en chier un peu quand même. Qu'est-ce que c'est attendez. Ça c'est putain, ça doit être parade et je sais pas quoi. Parce que lui, en vrai, la magie, il s'en tamponne la nouille avec une pelle à pizza. Hein. Ah ouais, moins 10. Ah mais c'est un casque! D'accord! Un chapeau! Ah mais j'ai pas de niveau. Putain c'est vrai qu'elle a toujours pas... Hop! T'es chiante! Tu peux répéter avec une pelle à pizza? Je sais pas tout... Ah pardon! Non c'est... Jean-Micheline expression encore frappée. Je m'en tamponne la nouille avec une pelle à pizza. Voilà. Je m'escousse. C'est sorti tout seul. Voilà, c'est rien, faut pas faire attention. Ça fait quoi s'ils sont bourrés au final? Parce qu'ils attaquent quand même. Même bourrés. Merde, papa. Le Guébégois. Kézago, le Guébégois. C'est un Québécois content. Ah, Linda, tu es bien une vampire, pas vrai? Pourquoi cette question?
Comment t'as fait pour te déplacer avec nous même en plein jour? J'ai un très bon écran total. C'est tout? Non, j'ai une très bonne crème anti-rides. Je sais que techniquement je ne vieillis pas, mais c'est psychologique. Il faut dévoiler le donjon à 100%. Sketch de Artus. Très bien. Annulé. Je vois qui c'est de tête. Artus. Mais je crois pas que j'ai déjà entendu son humour. Je le vois partout, mais je sais pas d'où il sort. Ouais, j'avoue que je sais pas trop d'où il sort non plus au final. Cet homme-là. Connu sur C8, ça m'a bien fait marrer. Oh putain, je viens de dire C8. Merde. Je fais une suisserie. Au secours! Oh, elle a up. Oh, il y a eu du up. Belgification. Au secours. Du coup, on a dit que c'était ça qu'on voulait, hein. Voilà, clairement. Et bah du coup, on va lui up son bonus de force pour venir lui up ça après. Pour venir lui up ça après. Parfait. Ah putain! Déclencher le piège. Non! Je ne veux pas quitter le dungeon. Arrêtez de vouloir me faire quitter le dungeon. C'est fini. C'est la fin. This is the game. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que je vais décéder? Non, heureusement, c'est pas contagieux. Ok. Bon, c'est déjà ça. Putain, mais non, mais il va me faire mal, lui. Je sens que ce n'est pas bien. Allez. Tout va bien. Tout va bien. Tu devrais pouvoir survivre, mais c'est dur, très dur, je te le cache pas. Est-ce qu'il faut que je prévienne ma famille? Est-ce qu'il faut que je leur dise que je les aime? Que plus rien ne sera jamais comme avant? Que je suis désolée, que ce n'est pas de ma faute. Ah mais du coup ça y est, elle va pouvoir mettre son petit chapeau. Où qu'elle est, Jacqueline? Bichour. Hop là. Ils pourront me réconforter dans les moments difficiles. Super. Soit rapidité, soit truc bizarre. Bon, on va mettre le truc bizarre. Putain, je sais pas ce que c'est la différence entre ces deux trucs, ça m'agace. Ça me fait nerf. Du coup, on a fait total. Non, c'est pas ça que je veux.
C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je veux. Bah, on a tout fait du coup, je suis con. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, tu peux, ils pourront te réconforter dans un moment difficile. De quoi j'ai pas vu? De quoi t'as pas vu? T'as pas vu quoi? De quoi qui dit? Qui dit? Putain, par contre, elle me donne plus de... Ah, la différence entre ce bouclier-là, là, et ce bouclier-là, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est agaçant. Oh merde, mais je suis en train de tout niquer là. Ah sérieusement? Il fallait pas que je... D'accord. Défense magique et parade. Oui, ça se tient. Attends, mais j'essaie de... Attends. Tu es bien silencieux, Pod. Et toi? Tu devrais l'être plus souvent. Pour une fois qu'il l'a fermé. Mes excuses à toi, j'étais en pleine réflexionnité de l'intellectualisme. Et à quoi réflexionnais-tu? À l'académie de bardisme, j'entendis parlouater des flûtes gobelonoïdes au son exquis. J'aimerais bien en trouver une. Je ne savais pas que les Gaulois s'intéressaient à la musique. Oh! Aucun de ces jouets, ces flutios sont taillés dans des os de gobelins très passoyés au combat. Et l'odeur de gobelins, c'est toi bien connu, ne parle jamais. Quiconque porte-toi en tel instrument à ses lèvres est immédiativement pris de nausée. Même les autres gobelins ne peuvent le supporter. Donc personne ne peut en jouer? Certes non. Malgré les étatetés de fées, de nombreuses ballades ont été composées uniquement pour cet instrument. Je trouve ça fascinatoire. La culture gobeline est encore plus stupide que je ne l'imaginais. J'avoue. Tous les monstres tués, aucun piège déclenché, aucun KO. Ah ok, tranquille. God save the bard. Please. Ouais, c'était un ninja, ça va. Oh, putain, je sais pas si t'as vu. J'ai vu ça sur IG, je sais plus quand. Ils vont sortir. Bon, graphiquement, voilà, ça a pas l'air trop moche non plus, mais c'est sur le principe, ça me rend ouf. Ils veulent sortir un Batman ninja. Genre, Batman, c'est un ninja. Genre avec des bats shuriken. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, un bat samouraï. Je quitte la planète. Oui. Alors, t'as tous les persos, hein. T'as un Joker qui a une gueule un peu... bah de yokai ou de gros méchants, genre aucun piège déclenché. Enfin voilà, mais t'as Harley Quinn aussi. Enfin, tu reconnais un peu Harley Quinn parce que du coup elle a sa coupe de vache là, mais oui. C'est voilà. Il manquerait plus que ce soit Ben Affleck qui l'incarne. Non, en jeu vidéo ou en manga, je sais plus, en série, enfin bref, je sais pas en quoi ils veulent le faire.
Mais rien que le fait que quelqu'un y ait pensé un jour en disant « Putain! Je me suis réveillée ce matin, j'ai eu une idée de génie, quoi. Et si Batman, on lui mettait un bat-sabre, un bat-chapeau, un bat de... Enfin... Qu'on en faisait un bat-samouraï, quoi. Genre Batman, Bat-Ozai, Imura, quoi. Allô? Non mais allô? Et toc toc le mec. Ah oui, on sait jamais après, c'est sûr que on n'est pas à l'abri d'une adaptation cinématographique de qualité. Quoi? Mais laisse mon barde tranquille, bordel. Il va décéder. Est-ce qu'il y avait aucune potion? Je crois pas qu'il y avait aucune potion. J'ai peur, il attente à la vie de mon barde. Le pire, c'est pas d'en avoir l'idée, c'est surtout de le développer et de l'éditer. Ah, tiens. Ah putain, du coup, j'ai laissé l'autre faire son deuxième tour. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai peur qu'il explose et que je décède. Ah bah voilà. Il m'a décédé. Très bien. Parfait. RIP. RIP le barde. C'est la ripouillade. De toute façon, personne ne l'aime, ce barde. Nope. Ben voilà, hein, on va finir comme ça. Voilà. On reviendra le faire plus tard. Et un boulet dans ta face. J'irais même un boulet dans la face du boulet. C'est pas mal. Acier gobelin. Si on va prendre. Ah, popo, ça je fais, oui. Du Q. Qu'est-ce que ça fait ça? On va faire une toge. Ouais. Amulette Mahashik. Faire une amulette Mahashik. Voilà. Ah putain, mais... Ah si, elle veut pas pouvoir le mettre. Pardon, j'ai rien dit. Je failli m'énerver toute seule. C'est rien, c'est rien. Voilà. Non, le bada qu'on veut. Toi, t'as déjà ton amulette. Toi, amulette magique. Ah, amulette de mana. Ah, non, amulette magique. Voilà. Et... Tu vas mettre ça aussi. Magie. Magie, du coup, en termes de ça non plus. Oh non. C'est quoi ça? Ah, je m'en fous. Alors, la hache, on vend ça, on vend ça, on vend ça, on vend. Ah non, pas les cordes. Pas de sushi. Au revoir. Adios. Quoique non, en vrai, ça m'étonnerait qu'on ait un gobelin. On n'a pas eu de squelette. Qu'est-ce qui pourrait aller avec les gobelins? La vampire avec les squelettes, à la limite. C'est mort aussi, techniquement. Pourquoi pas? Trop d'interrogations, trop de questions. Heureux.
Et bim. On a dit qu'il y avait quoi? 3 capacités, 3 potions, aucun piège. Très bien. Ah bah il est tout seul, j'ai même pas fait gaffe. Allô? Bichour. Mais laissez mon barde. Il a rien fait. Vous n'êtes pas très gentil, les ninjas. Ils sont radins par contre sur les objets. C'est fou ça. Chez fou. Ok. La craintation, la craindance. Faut que ça dégage. Il faut que ça dégage. Oh, je peux le stun? Oh putain. Oui. Parfait. Ah, un arc. Un arc. Mioche. Le saviez-vous? Les ninjas gobelins font tellement de cauchemars qu'ils préfèrent ne plus dormir du tout. Triste, non? C'est vrai, c'est pas vrai. Les pauvres. Je ne te dis pas bonjour. Ça va, Dinkopat? Tu survis à ton inauguration? Ah, t'y vas, là? Eh ben, bon courage! Bonne souffrance! Des bisous! La pauvre, c'est le karma, elle a dû faire un truc de mal, hein. Coincé à Ikea, maintenant obligé d'aller à une inauguration d'un magasin de déco. Bon, je pense qu'elle va bien se faire chier, oui. Je pense qu'il y a moyen. Elle mérite tellement. Mais depuis quand êtes-vous fou d'amour comme ça pour Mademoiselle Dinkopat? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? La pauvre.
putain, chute de pierre. Ah d'accord. Ok. C'est quoi, faut le buter avant? Je sais pas. Ah pas du tout. Très bien. Bah c'est génial. Je ne sais pas. Elle m'insupporte. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de m'enfoncer une aiguille sous les ongles. Ah. Très bien. Oui d'accord, ça fait quand même quelques dégâts au final, cette merde. Trois potions maximum, vas-y on va enfiler une hobarde là, parce qu'il va nous canner dans les pattes ce con. Ah bah, lol. Très bien. Mode normal, parce qu'il y a un mode difficile after. D'accord. Ah bah je ne savais point. Très bien. Très bien. Oh, je vais regarder. On va lui donner ça, jambe bien. On va totalement lui craft ça. On va craft, ça fait up. Hop. Putain, mais il devrait pas être à moins 1 là. Ah non, c'est l'autre. Bing. Ah non, son truc de mana griffe, on s'en fichtre fouchtre. On vend. Je suis pété de thunes. Quand je suis sur le donjon, je peux choisir. Ah oui, mode héroïque, putain. Allez, vas-y, on va essayer le premier en mode héroïque. On se marre un peu. Tiens, ce donjon a l'air d'avoir changé. Et plus que vous ne le croyez, le propriétaire du donjon a été tellement humilié qu'il a passé un savon à ses employés. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se venger. La sécurité a également été renforcée. Il faut désormais une clé spéciale pour ouvrir le trésor. Le trésor contient donc à nouveau des richesses. Ça veut dire qu'on peut facilement s'enrichir en refaisant son donjon encore et encore. Oui, mais faites attention tout de même, la clé... détenu par un gardien aléatoire qui rôde quelque part. À chaque fois que vous reviendrez ici, le porteur de la clé changera. Ceci afin d'éviter tout traitement de faveur ou tension entre employés. Je suis peut-être allé un peu fort la première fois. Peu importe, tant que je peux m'enrichir un peu plus. Pauvre propriétaire du donjon tout de même. Ok. Je pense qu'on va se faire dérouiller. Ah, pas du tout. Ils sont niveau 1. Mais je pensais qu'ils allaient être genre niveau 6560. Ah.
je suis déçue. Ah, il y a la clé là-dedans. Très bien. Ok. Ouais. Bah, j'ai la clé normalement du coup. Voilà. Très bien. Oui, ça va devenir chaud au fur et à mesure. Là, c'est le premier donjon. Mais je pensais pas que, enfin, même le premier donjon en mode héroïque. Enfin, je pensais qu'il y aurait quand même un tout petit peu plus de difficulté quand même. Mais oui, il y a probablement un moment où on va prendre très cher. Déjà, en normal, c'est chaud le haricot, donc... Non, je ne les ai pas silencés. Par contre, ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce que le butin... Voilà. D'accord. On ramasse plus d'objets. Mais genre, c'est tout ? D'accord, et ça met un petit drapeau pour me dire que je l'ai fait en mode héros. C'est un petit peu décevant quand même, je trouve. Allez, niveau 3. Oui, je peux faire des grosses potions. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut, mais un jour, je pourrai faire des grosses potions. Oui, c'est ça. Après, tu peux les faire plusieurs fois, ouais. Bah, on se fera ça. On se fera ça. Pour l'instant, on va se faire la tour. Moi, il y a bien les tours. Il y a plein de coffres, plein de trucs. Du coup, bah là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a aucune restriction. Quoi, pouvoir flairer totalement. Pour essayer de trouver le coffre. Je n'ai plus assez. Putain, mais il a plus rien, lui. D'accord. Non, annulé. Ouais, c'est peut-être pour farmer les compos aussi quand t'as besoin. Je sais pas. Vu que t'as plus de butin sur du mode héroïque, je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a un moment... Là, bon, le stuff, ça aide, mais c'est pas non plus... voilà, quoi. Il y a peut-être un moment où ça va devenir un petit peu plus important d'avoir du stuff qualitatif. Je me fais niquer. Non. Oui. En fait, je voudrais juste avancer pour essayer de débloquer le dernier perso. Enfin,
enfin le dernier perso. Enfin, c'est, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Je sais pas du tout combien on en déverrouille, mais déjà sur la jaquette, il y a un espèce de petit truc roux et c'est pas le nain. Et il y a une espèce de nana avec une lance là. Donc, je pense qu'il y a au moins deux autres persos. Et vu qu'on a la capacité de faire un roulement de personnages là, je sais pas si vous avez vu, voilà, permutation. Je sais pas, peut-être qu'il y a moyen d'utiliser... peut-être qu'il y en a plus de 5, du coup, je sais pas trop. Mais j'aimerais bien en débloquer un cinquième. Pour que la boucle soit bouclée. Voyez. Qu'on ait une team à peu près complète. Mais je ne sais pas dans combien de temps elle interviendra. Où est-elle? Que fait-elle? À de nœuds. I don't know. Puis après, bah, à la limite, quand on aura la cinquième roue du carrosse, on pourra aller se refaire, si je me trompe pas, pour avancer. Tu fais pousser ton joystick gauche vers le haut. Quoi? Mais... Donc j'allais dire, après, quand on aura la cinquième, on ira commencer à faire les premiers donjons en zéroïc. Moi j'achète, je m'en fous. De quoi j'ai besoin, tiens d'ailleurs, j'en suis où du stuff? Lui il y a bon. Lui, il faudrait des chaussures. Des chaussures. Des chaussures et une ceinture. Ok, trois chaussures, deux ceintures. Est-ce qu'il y a moyen de... ou pas? Il n'y a pas. Une ceinture. Ah si. C'est ça? Ceinture, ok. À côté nu. Allez, bah oui, le petit combat direct. Le comité d'accueil, c'est trop shanty.
coffre. Ah putain. Allez, bisous. Merci. Allez, bah oui. Bah oui, c'est... Ça va bientôt up. Ça va bientôt up. Oh bah, très bien. Parfait. J'accepte. Arigato gozaimasu. Alors. Un jambon. Et un ça. Pourquoi j'ai acheté une épée? J'en veux pas de ton épée, Georgette, là. C'est chiant, des fois, ça achète en gros. Pas de ceinture, pas de clôture. Allez, trouve le coffre. C'est l'histoire d'un incapable. Fury. Cool. Ah bah allez. Je suis déjà full, mais c'est cool. Un donjon gentil. Est-ce que possible? Laissez ce pauvre barde, bordel. Bientôt, 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 bientôt. Les bonus, les malus, c'est pour tous les donjons ou juste pour quelques tours? Non, t'as le petit numéro là des tours à côté. Voilà, le bonus est pour deux tours. À chaque fois, c'est pour quelques tours. Après, si c'est vraiment chiant avec le bouclier, la pose du bouclier du Bart, je peux enlever un malus à chaque fois. C'est pour ça que tu vois, des fois, je le cale sur plusieurs tours. Au final, il est chiant, mais il est pas si mauvais que ça. Il est juste chiant. Allez.
Oh, le bâtard. C'est les pas très chanty. Mon pauvre barde. Oh, mais il allait up, là. Prochain combat. Ah, bon, bah, prochain donjon. Génial. Toujours pas. Et paf. Il a pas up. Putain, mais c'est scandaleux. It's totally scandalous. Ok. Ok. Non, annulé. Il faut que je vire cette touche. Hein. Là, ça up. Là, on est content. I'm very happy. Tselen. Here. Alors, du coup, on était parti sur quoi avec lui? Ok. Ah oui, on était parti sur la lame, mais en se disant que en même temps... Putain, ça va être là le truc que je veux pour qu'il puisse équiper un arc et une arme. Putain. Oh, c'est chiant, ouais. Là, je veux qu'il aille. Là. Là. Putain. Là. Tu me... Putain, tu me casses les couilles, là. Bon, compétence. Oui, c'est celle-là. Vous pouvez porter une arme à une main en plus d'un arc. C'est celle-là. Donc, soit je débloque ça. Bonus de force quand l'arc est équipé. Soit je débloque ça. Augmente les dégâts de l'âme empoisonnée, je n'utilise pas. Augmente les chances d'infliger faiblesse en utilisant perforation. On va mettre ça. Voilà. Surprise! Oh bah lui non plus, on le connaît pas. Cet accent du sud, mais moi je suis pas du sud, monsieur. Je ne viens pas du sud.
Allez. Ah là, j'ai les petites plaques vertes. Les petites plaques. Oh. Oh, pot d'huile. Oh oui. I love a pot d'huile. Là, avec les petits trucs verts, je peux en faire. Voilà. Une paire de bottes. Bah, la ceinture aussi, du coup. Suis-je bait? Hop. Plein. Donc, lui, on a dit que c'était bon. Elle, on a dit. Les chaussures. Et la ceinture. Il y aura peut-être mieux. Hein. Ouais. Il a pas up, Jean Bobby, là? Non. Oh putain. Le con. Allez, ça va être là, je pense. Je le saigne. Viens vous battre. Ça va, ça commence à faire quelques dégâts là quand même. Ou quelques crits tout du moins. Sauf lui, mais on s'attend pas vraiment à ça. Oui, c'est le up du nain. Alors, du coup. Compétences, qu'est-ce qui nous intéresse? Quand j'appuie, bah on a tout. Ok, très bien. On était parti sur celui-là. Augmente les chances d'assommer en utilisant frappe de tort. Ouais. Réduit le coût de passe devant. Ouais. Augmente les dégâts de martèlement. Oui, on va totalement augmenter les dégâts de martèlement. Bon, il y a encore Jean-Bobby le barde là qui doit up. Prochain combat. Allez, next time. Non, allez, c'est pas grave. Prochain donjon. De la popo. De la popo.
Et c'est parti. Ah bah ça, ça fait extrêmement plaisir. 5 U game. Oh putain. Ok. Ça invoque des trucs. Voilà, exactement, on sait ce qu'il fait maintenant. On sait ce qu'il fait, et celui avec la brosse à chiottes dans les mains, là, lui, il fout des malus d'armure. Très bien. Le chalot. La pub. El bateir. Ménézé, The Bard de Tranguil. Pourquoi j'ai pas fini celui du milieu? On ne sait pas. Tiens, voilà. Toi, ce qu'il te dit, mon Bard. Et il up. Putain. Il ne veut pas up. Il est chiant comme la pluie. Tara, comment ça va? Oh la vache. Oh, petit critique à 20. Ah d'accord, il empoisonne aussi. C'est absolument génial. Ça va. Non, on va défendre ceci. Y a pas moyen. Oh, ça y est, il a up. Alors, il a tout lui aussi. On était parti sur quoi pour lui? Sur ça. Ah oui, le boubou. Soigne également tous les années 7% de points de vie. Oh bah oui. Oh bah ça c'est cool ça. Sinon on a quoi? Augmente les dégâts de mélodie stridente. Oui. Bonus de magie, bonus de main, immunisé au silence. Ouais, moi ça me dit bien ça quand même. Surprise, motherfucker. Oh là! Bah lui non plus, on le connaît pas. Sidix, comment ça va? Parfait.
Ce mur vers le nord semble fissuré. Peut-être ai-je manqué un moyen de le démolir. Que va ? Il y aura un levier quelque part que nous aurions raté. Unbelievable. Oh putain, mais foutez-lui la paix. C'est pas possible ça. C'est pas sur la durée par contre qu'il a l'armure quand on fait comme ça. Aucune capacité. Très bien. Déclencher le piège. Ah, on va se faire niquer par celui-là, Fekir. Ça va, de façon somme toute raisonnable. Oui, mais je pense que parti comme ça, il n'y a pas que lui qui va être en souffrance là. Ah putain, il a plus de mana non plus, ce con. C'est la merde. Oh là 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 là. Bon allez, ça va être potion pour tout le monde. Oui. Non. Oh là 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 là. Tant pis. Ah oh, putain, ça aurait été... Ah oh, merde, ça aurait été le moment de lâcher les critiques là, bordel.
Fekir. Fekir. Bon. On vendait pas un truc sur... Qu'est-ce pour après ça? On va aller voir les tribales, les gorilles. Des gorilles. Toi c'est bon. Toi, il manque des babottes à tes pieds. Pardon. Ça ne tourne. Voilà. Alors, piège en haute montagne. Un sauvetage imprévu. Ah, allez, peut-être qu'elle est là. Bon, je pense que ce sera le dernier donjon du jour. Ce serait cool si on débloquait quelqu'un. Oh, chailleuse. Ah, super Silix. C'était quoi alors? Quel était le problème? C'est quand tu veux que tu me laisses faire le bon truc. Salut Nuts, merci d'être venu, le bisou, bonne soirée. Je sais pas, j'ai rincé Steam et tout fonctionne. Après, faut voir avec les invites.
Pas ce soir, je suis en direction au boulot pour 12 heures de folie à rien faire. Oh là, bon courage. Oui, on regardera, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Bah écoute, j'espère que ça va fonctionner. Tiens, mais à quoi peut bien servir ce petit objet métallique en forme de clé ? Loin de moi l'idée de m'avancer dans des théories fallacieuses, mais... Et s'il s'agissait d'une clé ? Waouh ! Serait-ce là la légendaire perspicacité des nains ? Mais qu'est-ce que j'en fais ? Je te dirais bien où tu pourrais la mettre, mais on va encore dire que je suis vulgaire. Garde-la, imbécile. Elle doit bien servir à quelque chose. Dans ton cul. C'est ce qu'il voulait dire, hein. Une surface de bois massif, des gonds, une lourde serrure métallique. Je suis formelle, il s'agit d'une porte, et verrouillée de surcroît. Ah, mais que faire? Nous n'en avions jamais vu jusqu'ici. Tout ce qu'on a trouvé, c'est une clé. Rassurez-moi, vous plaisantez, n'est-ce pas? Attends, je sais que ça a l'air fou, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Et si cette porte verrouillée avait un rapport avec cette vieille clé? Non, impossible! Et pourtant si, regarde! Elle déverrouille la porte, vite, entrons! Pitié, dites-moi que vous plaisantez, je dois savoir. Trash Karog, mais que faites-vous là? Vous ne ressemblez pas à des gobelins? Ne parlez pas trop vite, vous n'avez encore rien vu. Eliane, réfléchir. Ne pleurez plus, Pod et ses fidèles compagnons, et toi là, nous sommes moi venus vous délivrasser, jeune jouvencelle, et ce, même si votre faciès heurte mon sens esthétique. Je m'en vais t'en la ranger, ton esthétique, frappe Pod. Laissez-moi deviner, Eliane, elle est en haillon, on la rencontre dans un donjon, elle frappe Pod. Tu vas lui demander de nous rejoindre? Je crois que battre le ménestrel va devenir une condition d'admission dans notre groupe. Mademoiselle, je me nomme Eliane et j'arpente les donjons avec mes fidèles compagnons. Que faisiez-vous enfermé ici? Moi, c'est Trash Karog. Je viens d'un village d'honnêtes bandits, saccageurs et pilleurs orques. Mais il y a peu, des représentants d'une certaine entreprise de donjons sont venus et ils m'ont dit qu'on leur faisait de l'ombre. Noret faisait soi-disant fuir leurs clients. En tant que chamane du village, je suis venu ici pour négocier, mais la discussion a tourné court et on m'a enfermé ici. Alors rejoignez-nous. Ensemble, nous pourrons reprendre les négociations avec de nouveaux arguments de poids. C'est moi ou... C'est moi qui le traite de gros? Il nous a tous traités de gros. Allez! C'est ça, honnête bandit. Le truc Big Big Picture de stream, c'est de la merdasse. Et je pense que c'est ça qui faisait tout planter. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'ogresse? Ah, je suis contente. On a notre dernier perso. Ah putain, merde, elle est à poil. Par contre, ça, j'avais pas prévu. Compétence. Invoque un loup spirituel. Cool. Lance une potion explosive. Cool. Inflige malédiction. Ok. Alors. Augmente les dégâts de potion explosive. Augmente les dégâts de l'attaque de loup. Bonus de mana. Bah écoute, je suis à fond pour l'invocation de ce loup. Augmente les chances d'infliger affliction du loup en utilisant machin. Capacité passive, vigueur orc. Je vais peut-être garder les autres points en fait et voir comment ça marche. Parce que je sais pas... Par ma barbe, encore un piège. Si seulement nous pouvions les détecter, ça nous permettrait d'anticiper. Suffisait de demander, j'ai pris l'option connaissance des pièges à l'école de chamanisme. Allez, bisous Sidix, bon courage pour le travail. Et tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Allez, c'est parti. Ah,
J'aimerais bien voir ce qu'elle donne avant de la décéder, s'il vous plaît. Ce serait bien urbain de votre part. Alors, invoque un loup spirituel qui charge, lance une potion explosive, inflige une malédiction à une ligne d'ennemis. On va les maudire. Poupée vaudou et tout et tout. Ça va être son attaque de base, donc on va up celle-là, je pense. Très bien, on a un chapeau. Ah, voilà, t'es plus à poil. Alors ça c'est son attaque de base, augmente la chance d'affliction, ok. Oups. Bonus de magie. Ok. Régénère 1 de mana en utilisant l'attaque du loup. Moins de 10% les dégâts infligés aux cibles déjà affectées ou maudites. Très bien. Ok, donc elle, elle va poser C'était un beau débat. Tu crois qu'ils ont compris que je rejetais leurs conditions ? Je suis pas sûre, je pense qu'il va falloir leur expliquer tous un par un notre façon de penser. À n'en point douter, avec votre aide, je pourrais lever le joug tyrannique qui pèse sur les belles montagnes natales. Eh bien, on n'est pas rendu. Il a réussi à en trouver une aussi fanatique que lui. Et effectivement, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Et si nous chantiassions à la gloireté de ce fier groupe hétéroclite ? On tabasse pod ? Avec plaisir, mais ne l'abîmons pas trop, j'ai pris goût à le baffer avant d'aller au lit. Allez. Eh bah très bien. Alors, il va nous falloir du stuff. Merde. Qu'est-ce qu'on peut craft Ça va être plutôt magie, ça aussi, je pense. Donc on va lui faire un bâton. On va lui faire une armure. On va lui prendre un collier. Pardon. Une ceinture. Bon, j'ai pas de bague, mais ce sera mieux que rien. Alors, un bâton. Ça. Du coup, ça sent... Qu'est-ce que c'est ça ? Diplôme de chamanisme. Ah, c'est son truc. Preuve d'échec. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, elle aussi, on peut la mettre en pirate, parce qu'on a une édition... Ah oui, on a une édition où on avait débloqué des trucs pour mettre les gens en pirate. Et bah très bien, bah du coup, le prochain coup, on se refera les premiers... pour les faire en mode héroïque. Bah, cela on pourra pas. On essaiera de refaire cela à 100% aussi, puis on continuera tranquillement.
Voilà. Ça, c'est des vieux trucs. On va plus en avoir besoin. Très bien. Hop. Eh ben, c'est pas mal. Bon, par contre, du coup, ça veut dire que celui qu'on chope aura toujours un niveau de retard. Elle, elle va bientôt up, c'est cool, mais les débuts niveau 4, ça craint un peu. Pirate! Allez, du coup, on se laisse là pour cette petite session de Dungeon Rusher. Probablement qu'on remettra ça demain après-midi pour continuer. On ira voir du coup le donjon héros, comme je disais. Comme ça permettra de pex un petit peu celles qui sont à la ramasse. Et de voir un peu comment ça marchouille exactement, parce qu'on a testé qu'un de ses sorts du coup. Voilà.